Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je suis passé de ça à ça. Ou encore de ça à ça. Et le plus fou dans tout ça, c'est que cette différence, c'est après à peine plus d'une heure de roulage sur le circuit. Je vous amène donc avec moi sur cette journée complètement extraordinaire. Allez, c'est parti. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on teste une nouvelle discipline. Ça fait tellement longtemps que je dois tester ça, que j'ai envie. Ça va être la moto de piste. Alors pour faire ça, on va être bien parce qu'on va être avec Maxence Chachua. Vous l'avez déjà vu dans la vidéo, notamment des tests, des bêtas. Vous l'avez peut-être vu aussi dans les balades enduro, etc. sur des spéciales. Lui, à la base, il est plutôt tourné route. Évidemment, c'est un cador. Le mec, il fait le 24 heures du Mans. Il fait le championnat de France Superbike. Hop, 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 hop. On va faire une pause. Parce que j'ai beau vous parler de tout ce que Maxence a fait dans la compétition, je pense que les images parleront d'elles-mêmes. Donc voici quelques vidéos de Maxence sur sa R1. Sa structure où il va pouvoir faire du coaching, que ce soit pour les débutants comme moi ou pour des gens qui sont plus perfectionnés, pour gagner du temps, se mettre en sécurité, enfin tout un tas de choses. Il va nous expliquer, il va tout simplement me coacher aujourd'hui, me donner les conseils. Et on est donc au circuit d'Issoire, vous voyez là-bas, en Auvergne. Donc voilà, on est en Terre Sainte, c'est parti, on y va. Vous allez suivre avec nous la journée en inside, c'est à dire on va rien couper, on va garder tout. Si la vidéo fait 2 heures, c'est pas grave, on s'en fiche, mais on va avoir un truc où on va avoir tous les conseils. Et puis surtout, essayer de comprendre comment ça fonctionne, la moto de piste, parce que ça, c'est pas gagné. Salut à tous, moi c'est Maxence Chachua, je suis pilote en championnat de France Superbike et en championnat du monde d'endurance. Et du coup, je vais pouvoir m'occuper de Geoffrey aujourd'hui, parce que j'ai lancé une activité qui est le coaching moto sur circuit, donc que je peux expérimenter grâce à un diplôme que j'ai passé, le CQP Moto, certifié par la Fédération Française de Motocyclisme. Et du coup, je propose cette activité sur le circuit d'Issoire, en solo, en duo, matinée ou après-midi, avec sa propre moto, ou alors avec cette Triumph 765 Street Triple que je propose à la location, qui est tout équipée pour la piste, donc poly, demi-guidon racing, commande reculée, pneus slick, donc voilà, toute prête à rouler, vraiment l'arme parfaite pour s'expérimenter. Et du coup, j'accepte tous les niveaux, mais plutôt les personnes débutantes, soit qui viendraient du souterrain ou de la route et qui souhaiteraient faire une première expérience sur piste. Donc moi voilà, je pourrais vous accompagner dans vos débuts, les trajectoires, la position, tout pour vous faire évoluer en sécurité sur la piste. Donc avec location de moto, journée complète ou après-midi et le premier prix à 250 €. Ça, je vous laisse me contacter en privé ou sur mon site internet, sur les réseaux sociaux. Geoffrey vous mettra tout dans la description, ça lui fera un peu de boulot. Et puis voilà. Bon, trêve de blabla, moi je suis équipé, il ne reste plus qu'à équiper Geoffrey. Et puis on va pouvoir se mettre en route, expliquer les bases et puis on va pouvoir aller mettre du gaz sur la piste. Allez, c'est parti. Bon allez, il est temps de s'habiller. Donc là, pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, quand vous venez ici au circuit d'Issoire, c'est possible de louer dorsale et combi. Par contre, il faut venir avec le reste de vos équipements ou vous en faire prêter par des potes. Moi, à coup de chance, mon pote, c'est Maxence. Donc, c'est lui qui me prête les affaires que j'ai pas. Donc, on va s'habiller. Je vous avoue que j'ai jamais mis de combi intégrale. Donc, on va voir comment je me sens. Il y a aussi la dorsale. Ici, ça, c'est les bottes que j'avais aux États-Unis quand j'avais testé la Triumph. Donc, hop, regardez son corps tout nickel là. Il y a un premier gars qui est parti rouler. Et en fait, j'ai hâte de mettre tout et de sentir un peu comment. Ouais, je sais pas, quel est le ressenti déjà quand t'es avec tout l'équipement comparé à un équipement de cross. C'est pas du tout pareil, ça je sais. Mais allez, c'est bon, je retrouve là quand je suis habillé. Et ben, vas-y, je te laisse monter sur la moto alors. Vas-y. Ouah, ouah, comment ça fait bizarre. T'as jamais eu les guidons aussi bas là? Non. Ok. Bon, vas-y, mets les pieds sur les cale-pieds. On va voir donc les pieds sur les cale-pieds. Il faut avoir la pointe de pied. Ouais, à peu près comme ça. Ah voilà. Ouais, ok. Ok, ouais.
L'autre pied pareil. Ouais, je pense que je suis pas trop loin de la vérité. Là c'est pas mal. Et donc on va voir la position déjà pour la ligne droite. Il faut que tu recules tes fesses et que les fesses, regarde, elles viennent plaquer là contre ma main. Voilà. Ah ouais. Voilà. Et maintenant tu vas mettre les mains sur les guidons, voilà. Ouais. Et te baisser, mettre le torse contre le réservoir. Ouais. Et là il faut rentrer les coudes pour être un maximum aérodynamique. Et vas-y, tu peux encore reculer les fesses. Ah ouais. Recule, recule. Ah mais là, voilà. quand on dit coucher. C'est vraiment couché. C'est vraiment couché. Ah ouais. Et là tu peux rentrer les coudes. Il faut que les coudes ils touchent le réservoir. Ok. Voilà. Donc là, okay. On est pas mal. Ok. Ok. Je me rappelle, bon. Du coup, les points, tu m'as dit, les donc, fesses. Il faut que les fesses, faut que tu sentes que tes fesses, elles sont bloquées. Tu peux pas les reculer plus. Elles sont bloquées. Ouais. Les pointes de pied. Pointes de pied sur l'arpose-pied, ça sera tout le temps. Ouais. Okay. Dans les virages, dans les lignes droites, au freinage, c'est tout le temps les pointes de pied sur l'arpose-pied. Ok. Et à part quand tu iras chercher ton sélecteur, bien sûr. Okay. Et après, voilà, il faut que tu aies les pecs qui soient contre le réservoir et les coudes qui touchent le réservoir aussi. Ok. Ok, ok, ok. Comme voilà. Ça, j'ai des points. Voilà. Et donc vas-y, remets-toi en position. Et là, quand tu vas venir freiner, on va freiner avec deux doigts, c'est mieux. En ouais. Enduro, tu mets deux doigts sur le frein. Ça dépend. Un doigt. Souvent ouais. Un doigt. Ok. Voilà, il faut avoir quand même pas mal de puissance de freinage, donc ouais. On va essayer d'être à deux doigts. Et au moment où tu vas vouloir freiner, tu vas venir te relever ton buste et tendre les bras. Ok. Et on va venir serrer le réservoir avec les jambes. Ok. Là pour essayer de pour pas trop subir en oui. Fait la décélération et pas que t'aies les fesses qui viennent enfin ou les fesses et les parties génitales qui oui, viennent s'exploser dans le réservoir oui, parce que peut. Tu vas voir quand tu freines fort il faut se retenir donc en serrant le réservoir okay. Avec les genoux et les bras tendus. Tendus. Ok. Ok ok ça ok good. Donc freinage et donc pour l'instant on va freiner droit. Ouais. Donc le freinage il va se faire. On va serrer le levier de plus en plus fort au moment où tu sens que la fourche elle commence à s'enfoncer. Donc, okay. Plus la fourche s'enfonce, plus je serre le levier. Et après, okay. Une fois que la fourche elle commence à être au fond, là on tient le frein, on tient le frein, on tient le frein. Et en fin de freinage, on va relâcher progressivement. Okay. Pour l'instant, on ne va pas faire de freinage sur l'angle, on va freiner uniquement droit. Oui. Okay. Donc tu relâches le frein et après tu vas pouvoir commencer à rentrer dans le virage. Okay. Donc la position pour le virage. On va venir décaler et sortir une fesse. Okay. Voilà. Et là, attention à ne pas tourner autour du réservoir. Il faut vraiment que tu sortes la fesse comme ça. Il ne faut pas venir tourner et avoir les épaules qui sont en opposition. Okay. Là, on part pour donc un virage à droite. Comme ça, mais voilà. Comme ça. Okay. Et il faut que tu te retiennes à mort avec cette jambe. Okay. Yes. Il faut que ce soit cette jambe qui te retienne contre le réservoir. Mm-hmm. Et il faut. Théoriquement, il faudrait que tu puisses rentrer dans le virage en ayant les deux mains qui soient lâchées du dino. Oh, ouais, okay. C'est là que tu comprends que c'est physique. Ouais. Et en fait, normalement, okay. T'es censé avoir plus mal aux jambes qu'aux bras à la fin, à la fin d'une journée piste. Journée piste, ok. Donc vas-y, sors une fesse. Donc là, voilà. Hop, après le freinage, je me redresse, je serre. Voilà. Hop, après, bon, tu m'as dit, il faut que ce soit progressif. Plus ça descend, plus j'appuie. Plus la fourche s'enfonce, plus tu freines. Voilà, je m'appuie. Une fois que la fourche est bien enfoncée, là, tu peux freiner très fort. Là, en piste, on peut, sur piste sèche avec pneu chaud, on tire sur le levier de toutes ses forces. D'accord, ok. Bon, ça viendra tour après tour. Hein. Ouais, après tu m'as dit que je relâche, progressivement. Progressivement. Et après on va pouvoir commencer à mettre de l'eau. Et après je me mets comme ça, mais il faut là, pas que je tourne. Sors, là tu sors un petit peu trop, tu vois. Avance un tout petit peu. Tiens-toi ouais. Bien avec ce genou sur le réservoir. Ok. Là, ici le pied il peut un petit peu tourner pour pouvoir tourner. Ouvrir le genou. Tu vois ok. Là, comme okay. Ça. Là tu peux sentir que ton talon il touche un peu sur le bras aussi. Hein. Si, ouais, je voilà. Le sens. Voilà. Là tu sens que tu es bien retenu ici. Ouais. Là ce bras il va venir se tendre. Okay. Et tu vas venir approcher. Ton menton de ton poignet. Voilà. Okay. Et là tu poses le coude. Ok. Ok. Et de l'autre côté. Du coup tu m'as dit que j'avais trop sorti la fesse. Ouais. Peut-être juste on comme sort ça. Une fesse, ouais. Voilà. Et ouvrir exactement. Un peu le genou peut-être. Voilà. Ouvrir un peu le genou en venant un petit peu ton pied, voilà, tu vois, ton talon il touche le bras aussi. Hein. Ouais, je là, sens t'as que bien la pointe de pied. Voilà, et tu sens que le talon il rentre un petit peu vers l'intérieur de la moto. Ok. Donc ça fait beaucoup d'infos. Ouais. Et après pour l'accélération, on va accélérer progressivement et tu vas venir, plus tu vas venir pousser ta moto et la relever, plus tu vas pouvoir enrouler avec les gaz. Okay. On remet jamais à fond en étant avec le genou par terre. Mmh. Donc plus on relève la moto et en fait en remettant les gaz, ça va relever la moto tout seul. Toi tu vas pouvoir l'accompagner un petit peu et au moment où elle va commencer à remonter, tu remets de plus en plus de gaz pour que une fois la moto droite, là tu puisses mettre à fond. Ok. Ok. Ça marche ? Ouais. Et la transition entre le virage et la position
couchée, on va dire. Ouais. Elle se fait plutôt naturellement. Ouais, elle se fait plutôt naturellement. Et tu vas venir appuyer un petit peu avec le bout de tes pieds, l'avant de tes pieds sur l'air pose-pied pour revenir te replacer, lever un petit peu les fesses et revenir te replacer. Okay. On va être déhanché à gauche et on va venir appuyer sur sa jambe à droite et lever ses fesses et les redéhancher directement de l'autre côté. Ok. En passant vraiment de gauche à droite. Mais ça, on le travaillera après, on fera un peu plus virage par virage. Au début, on va faire vraiment général les trajectoires, la position, etc. Ouais. Et après, on travaillera un peu plus virage par virage. Donc, les trajectoires qu'on essaye d'avoir en vitesse, ça va être toujours d'arriver dans le virage en étant à l'extérieur, venir prendre un point de corde à l'intérieur et ressortir à l'extérieur. En ligne droite, tac, 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 tac. Hop, on va venir rentrer un petit peu tard dans le virage. Hop. Et on va venir chercher un point de corde un petit peu tardif. Et ici, une accélération. Pour revenir après à l'extérieur. Ici, ou un petit peu avant, on va essayer de se trouver un repère pour entamer le freinage. Donc tout ici, on va arriver, tac, le rouge, synonyme du frein. On va freiner, on va freiner, on va freiner, on va freiner. Hop, et environ à peu près ici, avant de commencer à faire tourner la moto, on va venir lâcher les freins. Ok ? Ok. Donc là, on va pouvoir freiner très fort en ligne droite. Et ici, on va pouvoir lâcher les freins. Et là, on va entamer ce qu'on appelle la mise sur l'angle de la moto. Et ça va se faire du coup en phase neutre. Donc ça veut dire qu'on n'aura ni gaz, ni frein. Ok. Ok ? Ouais. Donc là, la moto, elle est libre, elle rentre dans le virage. Et ici, on se concentre que sur la position et à faire tourner la moto. Okay. Donc là, la moto, on va faire en bleu ce qu'on appelle la phase neutre. Ici, hop, la moto va tourner. Et une fois qu'on commence à être en ligne, ici, on a ce qu'on appelle le point de corde intérieur. Là, c'est le point de corde extérieur, le premier. Hop. Une fois que la moto a tourné et qu'on est en ligne, qu'on passe le point de corde intérieur, ici, on va pouvoir commencer à remettre son filet de gaz. Ici, hop, le filet de gaz, et on va commencer à relever la moto. Donc comme je t'ai expliqué tout à l'heure, en l'accompagnant, on remet le filet de gaz, et plus on va sortir du virage, plus on va relever la moto, et plus on va pouvoir accélérer fort. Ça, c'est le virage qui est là. Et après, ça se reporte bien sûr à tous les virages. Donc là, on arrive forcément, le virage va être à gauche, je suis à droite de la piste et je viens chercher un point de corde intérieur. La seule différence ici, c'est qu'on va avoir rapidement un virage à droite derrière et du coup, on va devoir pas trop s'écarter pour aller chercher un point de corde extérieur. Parce que là, après, je vais devoir revenir tout de suite à gauche pour repartir tout de suite à droite. Donc ici, on sacrifie un petit peu la sortie pour être bien positionné pour entrer dans le droit derrière. Donc là, on va s'écarter seulement que jusqu'à mi-piste. Super, et bien, j'ai pas de questions. Mais une fois que j'aurai fait, je sais qu'il y aura plein de trucs à revoir. Ouais. Donc, Et puis moi, j'aurai la caméra sur la moto. On regardera ce que tu fais. Ouais. Après, en sortie de piste, on regardera sur le PC un petit peu les défauts pour que tu puisses te rendre compte et qu'on mette des images sur ce que je te dirai. Ok. Donc voilà. Ça me paraît clair. C'est chaud. Je suis chaud. Pas trop d'appréhension? Ben, pas d'appréhension, mais je sais pas trop à quoi m'attendre. Parce que tu sais, j'ai jamais eu de moto de route déjà. Ouais. J'en ai fait un petit peu comme ci, comme ça. Mais du coup, je suis hyper curieux. Ouais. Mais je sais pas à quoi m'attendre. Mais beaucoup d'excitation. Toi, tu vois, t'as l'habitude de pencher. Ouais. Sur route. Ouais. Sur en route. Sur circuit, sur route. Et moi, en enduro. Quand tu penches trop, tu sais que tu vas glisser. Et ça va être dur, je pense. Ça va être dur de trouver la. D'accepter que la moto. Se penche sans avoir un truc pour te caler. Sans. Parce que moi, mon point d'appel, c'est que je penche, je me dis, waouh, ça va. Ouais. Alors que en fait, j'aurai une marge de ouf à mon niveau. Là, tant que le genou touche pas, tu as de la marge. Ouais, c'est bon. Ouais. Ok. Mais tu vois, les pneus c'est des bons pneus, c'est collé au sol, c'est des pneus slick. Voilà, le bitume va être chaud, sec. T'as mis les couvertures chauffantes. Voilà, exactement. Donc là non, il y a tout pour que ça colle au sol. C'est... Ouais, y a pas de souci, tu vas pouvoir pencher la moto. Ça... Le soleil est sorti. Ouais, exactement. Donc pour l'instant, le casque est confortable. Pas des gants d'enduro, moi je vous le dis. Ça protège. Oh là là, la position, c'est tellement bizarre. Mais
C'est pas pour autant que je me sens mal à l'aise. Quand tu sens que il y a des chevaux dans le bordel. Voilà, oh là, la sensation dans. Donc là il m'a dit sortir la fesse, etc. Ok, faut que je prenne mes repères sur les commandes. Ouah, par contre, c'est vrai que c'est hyper bizarre parce que ça freine, mon pauvre. Là il m'a dit il faut faire confiance. Ah ouais, en plus elle est hyper agile la moto. Ouah, comment ça marche. Ouah, mon. Ouah, il m'a fait peur. Ouah, l'enflure. Ah ouais, ok. Ouah, la position d'enculé. Ouah, en plus t'as l'impression d'aller super vite. Allez, on est reparti. Cette fois-ci, j'ai mis mes lentilles. Oh là là, je sens que c'est beaucoup plus coulé que tout à l'heure. Oh, le bonheur. Ah, mais je vais surprendre, j'essaie de regarder mon régime moteur, mais je crois que c'est pas la bonne chose à faire. Ouais. Je sais que je rentre trop tôt, et ouais, quand tu passes devant, je me dis purée, ouais, mais... Le plus là où t'es le moins bien, c'est dans l'entrée là. Il faut rentrer dans le dernier virage là, il faut rentrer beaucoup plus intérieur. Là tu t'arrêtes trop, il faut rentrer beaucoup plus avec de l'élan dedans. Ok. On regardera la vidéo. Mais en vrai, c'est trop bien, la position et tout, nickel. Hein. J'essaye au max. Hein. Mais... Ah, mais c'est trop bien. Tu sais, quand il va poser le genou, il sera à ça du coude. Hein. Il a la top position. Mais non, putain, franchement, c'est pour une première, c'est top. Hein. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi plaisant. Quand tu mets à fond, c'est bien. Ouais. Bon, mais si t'as kiffé déjà, c'est bien. Non, déjà, tu vois, j'ai envie de repartir. Pas tout de suite, mais après, je sais qu'il y a envie, c'est sûr. Il faut que tu analyses un peu autour de la piste. Pour prendre des repères pour freiner. Ouais, parce ça, que en piste, ce qu'on a, c'est pas au feeling. Tu freines à un endroit précis. Genre là, moi, je sais qu'avec la R1, au panneau 150, je freine. Et je sais que je peux pas freiner 5 mètres plus tard, parce que sinon, je me sors. D'accord. Donc là, tu vois, avec ces motos-là, si tu veux commencer au panneau 200, tu freines. Là, tu te dis, oh putain, bah, je suis pas rentré assez vite dans le virage, donc tu vas décaler. Tu vas freiner peut-être 10 mètres après le panneau 200. T'attends de plus voir le panneau 200, hop, tu freines. Mmh. Et au fur et à mesure, comme ça, dans tous les virages, tu repousses un petit peu tes repères. Et toi, quand tu dis le panneau 200, par exemple, tu freines au panneau 150. Ouais. Ça veut dire, toi, tu roules et dès que le panneau 150, il sort de ton champ de vision, tu freines. Voilà. Là, tu vois, il y a un panneau, il y a juste un panneau 50. Bon, là, le panneau 50, il est un peu loin. Mmh. Donc, tu sais que tu vas freiner avant le panneau 50, mais c'est compliqué. Sur le circuit, ici, c'est que des champs autour. Et donc il y a très peu de points visuels pour prendre des repères. Mmh. Comme je disais l'autre fois, tu vas à Magny-Cours, t'as des bandes vertes de partout, des raccords de bitume, des bandes blanches, des panneaux 50, 100, 150, 200 à tous les virages. Donc t'as beaucoup plus d'infos pour trouver des repères. Mmh. Et si je me suis rendu compte que là aussi je faisais ça. Et là, intérieur. Ouais, là tu fais tout intérieur et au début là tu prends pas le point de corde ici. Mmh. Tu rentres mi-piste et là tu t'arrêtes beaucoup trop. Ici il faut lâcher le frein et rentrer avec de l'élan. Et là, la moto, elle va ralentir toute seule. On va aller bien ici à l'extérieur. Ouais. Là, chercher, il y a un cône là. Oui. Il faut essayer d'aller le plus près du cône. Et tu vas voir qu'après, là, ça fait une ligne droite pour ressortir. Ouais, je vois que je bien préparer la sortie. Fait en plus. Ouais. Tu vois, là, on n'a pas encore assez de ce qu'on appelle de vitesse de passage pour pouvoir mettre beaucoup d'angle. Oui, en ayant plus de vitesse, la moto, elle sera plus calée. Les pneus vont plus se caler. Il y aura plus de contraintes dessus. Et ils vont mieux agripper. Et tu vas avoir plus de feeling. Et tu vas pouvoir mettre plus d'angle. Ouais. Bah, c'est un peu ce que tu vois. Tu retrouves en enduro quand tu fais les ornières. Je sais que quand tu passes un peu plus vite, avec la force que ça te cale, ouais, t'as pas l'impression de tomber. Non. Alors que tu peux être penché. Et ça va faire exactement pareil quand tu vas rouler. C'est un peu pareil. Ouais. Ça va faire exactement pareil quand tu vas rouler. Ça, c'est intéressant, c'est un parallèle différent. Ouais. Parce que nous, on est calé par une ornière et vous êtes grippé. Quoi. Ouais, exactement. Ça, c'est intéressant. Ça m'a choqué. Le premier mec qui m'a doublé, je l'ai pas entendu venir. Non. Et il m'a doublé, ça fait. Ouais, ça surprend. Oh,
C'est là où. Pas mal. Je vais pas être méchant, mais c'est mon premier 10 minutes de moto. Ah ouais. Et il y a des trucs, je me dis, si on me le dit pas, je vais mettre des années à me rendre compte ou à, tu vois, à assimiler. Alors que là, direct, je vais commencer à faire une journée avec toi et tu vas me dire, ok, là, ça fonctionne comme ça. Là, tu sais, ton repère, c'est ça. Et si j'ai pas ça, franchement, je pense que tu peux être perdu un moment. Bah, c'est ça. C'est, en fait, ça te. C'est, les gens, des fois, le prix du stage, il peut être. Il peut te rebuter un petit peu parce que c'est toujours un petit peu cher, les stages, etc. C'est plus cher qu'une journée piste. Enfin, tout est cher en moto. Ouais, mais en fait, pour progresser, tu vas prendre beaucoup plus de plaisir en fait en prenant un stage dès le début, en ayant les bonnes bases, en ayant directement les bonnes infos pour être en sécurité. Parce que si tu fais n'importe quoi, tu vas peut-être faire deux journées au prix d'un stage, mais peut-être qu'à la fin de la deuxième journée, tu feras n'importe quoi, la moto elle sera pulvérisée et ça t'aura coûté le prix de 5 stages. Moi, je pense déjà que je suis parti avec des bonnes bases avec ce que tu m'as dit, parce que sinon j'aurais été perdu. Ah oui, toi. Le premier virage à gauche, comme ça, le pied tendu. Et j'ai eu un réflexe, et c'est, j'espère qu'on le verra à ta vidéo, parce que moi j'ai filmé et j'ai fait oh purée. Ouais. Virage, ça faisait la chicane. Donc gauche, droite. Je freine, et là, au lieu de me mettre à gauche pour aller à gauche, je me suis mis à droite pour aller à gauche. Ouais, j'ai dit pendant une seconde, j'ai fait. Vraiment en plus, j'ai fait comme ça avec les mains, et là j'ai fait. Oh, j'ai fait comme ça. Wow. Franchement, ça a tilté vite. Hein. Bah ouais, je me suis dit, attends, il y a un truc que t'as pas fait comme ça tout à l'heure. Vu que les tours, t'en as fait, des fois t'as fait 800 tours du circuit, c'est toujours la même chose. T'as tendance un peu à te déconcentrer, mais en fait à la vitesse où ça va, t'as pas le droit de te déconcentrer quoi. Ouais, c'est ça que je me suis rendu compte dans la ligne droite, ça va tellement vite. Ouais. Comparé à l'enduro ou du cross. Toi, tu penses, t'as fait combien de tours depuis que tu fais de la moto depuis ici là que, sur ce circuit. Ouais. Ça se compte en milliers, je pense. 5000. Ouais. 5000 tours. Moi je pense que tu le connais le terrain, le circuit. Ouais, un peu ouais. Bah ouais, parce qu'il change pas, hein. C'est pas comme les spéciales ou les terrains de cross, ça change pas trop là. Là le changement d'angle, ouais, t'es un petit peu loin là du point de corde. Si t'arrives à. Normalement, entre les deux points de corde, le point de corde à gauche et à droite, on arrive à tracer une espèce de droite, tu vois. Tu peux mettre à gauche et après quasiment pas remettre d'angle à droite, tu vois. Mmh. Essayer de faire vraiment une ligne droite entre les deux points de corde. Ouais, ok. Mais déjà les codes en fait ça va m'aider, je m'étais pas rendu compte que j'étais placé vraiment si. Quasiment parfaitement en point de corde. Et c'est ça en fait qui. Ça en fait là ça va complètement m'aider à visualiser de loin déjà, tu peux les voir. Donc ouais ok. Oh là là, j'arrive à comprendre un peu mieux maintenant. En fait c'est ça, il faut avoir des repères de ouf. Bon là, mes repères, je les ai niqués, je suis encore pas assez fort dans le virage. Allez! Oh là 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 là! Ça accroche le pavé, mon pauvre! Ah, c'est ouf! Ah, c'est ouf! Voilà, un peu trop appuyé le freinage. Hop, on va essayer de garder sa trage. Oh là là, on n'est pas loin de poser le pied, les gars. Le mec qui avait l'autre gilet jaune là, ouais. T'as vu comment il était droit sur la moto? Ouais, il déhanchait pas un pet. Ouais. T'as vu? Et au début, quand tu commences tout seul, ben, tu fais comme ça. Alors que là, ce que je t'ai dit, c'est. À la bonne position directe. Ouais. Parce que là, lui, il va s'habituer à rouler comme ça et après, ça va lui faire tout drôle. C'est dur. Ouais, voilà. Bon, on a fait la deuxième session. Il y a eu beaucoup de choses pas cool que j'ai faites et je sais. Donc, Maxence va nous faire le débrief en vidéo. Je vais en filmer une petite partie. Voilà. Et après, on va partir pour une troisième session et ça va faire ça en fait. C'est grosso modo la pratique, les conseils, les conseils, la pratique, les conseils. Exactement. Et on essaye d'avoir une correction après chaque séance de roulage. Ouais. Et les rappels avant qu'on aille rouler, ils me rappellent tel point, faut faire attention. Là par exemple, on a vu que j'étais un peu dangereux sur certains trucs, je changeais ma position, etc. Ouais, tu changeais ta position quand tu étais sur l'angle, tu essayais de modifier un peu ta position. Avec le haut du corps, baisser ou relever un petit peu le haut du corps, ça c'est pas très grave. Mais surtout bouger les fesses sur la selle en étant sur l'angle, là ça c'est pas très bon, ça provoque du mouvement à la moto et ça peut provoquer un mouvement de chute. Ouais, et là c'est pas cool. Ouais. Allez, débriefing pour nous en vidéo. Salut.
ça c'est fou parce que le fait de te voir le faire, ça fait que tes explications déjà bon, dans un sens. Ouais. Mais quand tu me dis t'as pas fait bien, tu m'expliques des trucs que je sais pas. Et oui, oui. Mais je vois aussi exactement la différence entre toi. Ouais. Je la comprends pas mais je la vois. Et après tu me le dis et je la comprends. Et c'est ouf parce que là quand tu m'as dit ouais ce virage, je me suis dit je vois ce qu'il fait. Maintenant faut que je comprenne ce qu'il faut, ouais, que je change pour que ça marche. Et en fait tu peux rentrer avec beaucoup plus de vitesse. Parce que là du coup tu t'arrêtes et tu vas buter là à l'extérieur. Tu dis ouh ça tourne. Alors que si t'avais tourné un peu plus tôt, bah, en fait la piste elle est très très large. Mmh. Donc après la vitesse, là dans ce virage là quand tu roules très vite, t'as toute l'impression que tu dis ouh ça va pas passer, je vais jamais tourner. Et en fait la piste tu vas t'écarter jusqu'à l'extérieur et en fait t'arrives très très bien à tourner. Exactement. Allez! Allez! Ouah là là! C'est ouf! Ça c'est ouf! Ça c'est ouf! Ça c'est ouf! Là je peux vous dire les gars, là ça fait peur. Quand tu dois arriver à balle là, t'es à 150 et tu dois décider de mettre gaz. Lui mon gars, comment il roule, il m'a fait peur. Faut faire gaffe à garder sa concentration par exemple là. Parce que vous voyez là, je sens que ma concentration faiblit. Ah oh là là là. Là je suis bien, là je suis bien, là je suis bien. Là je suis bien, là je suis bien. Pas mal. Oh, pour une fois je vais le passer bien. Pour une fois je vais le passer bien. Oui. Allez. Là pareil. Il faut pas que je me laisse déconcentrer. Il a beau avoir 100 chevaux de plus que moi, c'est pas pour autant. Quand il y a les yeux, quand il y a les yeux qui vont, ça va beaucoup mieux. Ouais. Ouah. C'était mieux. Ouais. Les trajectoires, ouais. Les trajectoires, j'essayais de faire au mieux. Donc je pense que c'était mieux. Ouais. Je vois que je me repositionne toujours quand même de temps en temps dans les virages. Voilà. Franchement, par rapport à celle d'avant, t'as corrigé pas mal. Et c'est pour ça que je t'ai dit deux tours et on sort parce que je sens que la concentration. Ouais. Ouah. La concentration que ça m'a demandé. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des mecs ici, ils luttent pour être en 1.15. Hein. Bah, je sais, je les vois, je suis derrière eux. Le tour où tout le monde nous a doublé là. Ouais. Après, là, t'as fait un tour où t'étais beaucoup plus rapide, tu gardais beaucoup plus de vitesse dans les villes. Ouais. En fait, je sais pas, c'est. En direct. C'est. Ouais, c'est un flow. Ouais. À prendre, parce que si je loupe un virage, je suis d'après. Et c'est... Alors, t'en as pensé quoi de ce run? Et eh ben je pense que je vais plus vite, mais je suis pas forcément plus propre. Ouais, carrément, c'est ça. Ça a été un petit peu mieux, et j'ai senti un peu plus crispé sur la moto. À des moments, dans les virages, t'essayais de changer un peu ta position. Ouais. Ça, il faut pas du tout le faire. Okay. Toi, que t'as commencé le virage dans une position, tu peux baisser un petit peu ton haut du corps et tout, mais replacer tes fesses pendant le virage, ça, il faut pas faire. Et ça provoque un peu de déséquilibre sur la moto. À un moment, toi aussi, tu peux perdre un peu l'équilibre. Et surtout, ça déséquilibre la moto. Tu vois, il y a des fois dans les virages, je me disais, vas-y, tu vois, et il faut en pas fait, forcer, non. Il faut pas forcer. La moto, il faut la tenir avec les jambes. Les bras, il faut être vraiment détendu. Et après, il faut l'amener avec les jambes, appuyer sur les cale-pieds pour la faire tourner. Essaye d'avoir vraiment des repères pour freiner, là. Le 200, je pense qu'il est validé. Je peux freiner un tout petit peu plus tard que le 200 mètres. Ouais. Et beaucoup moins t'arrêter, là, dans le double droit. Là, la trage, c'est pas encore ça aussi. Parce qu'il y a des fois où j'arrivais à bien passer pas trop mal, et il y a des fois, là, les deux ou trois dernières fois, j'étais comme au début. Ouais, j'ai vu, c'est pour ça qu'après j'ai voulu rentrer, parce que fallait pas reprendre direct de mauvaises habitudes. Non, non, non. Non, je pense que c'était bien de rentrer. Allez, on va regarder la vidéo. Ouais. Allez, on se reconcentre. Quatrième session de la journée. Mmh.
Hop, on décale. On relâche les freins. Mes lentilles se barrent de mes yeux. Tout va bien. Ça le fait à chaque début de session. Oh là là, je suis passé beaucoup mieux là. Oh là 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 là, c'est impressionnant. Allez, mon charge, bah oui. Je te colle au cul. Bah lui il est tranquille. Et on est vissé là, oh, sur l'angle. C'est un délire. Oh, 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 j'ai touché, chef, j'ai touché, ça m'a fait ça m'a fait bizarre. C'est que pour ouvrir plus le genou, faut que tu vois, t'as le pied il est un peu là, ouais. Et t'as pas trop de force, tu vois, t'es pas trop calé sur ton repose-pied. Oui, recule-le un petit peu. Il faut vraiment que tu sentes que ton repose-pied il est ça, ouais. Il est entre ton pied et tes orteils, tu vois ce que je veux dire, ouais, dans cet endroit là, dans cette espèce de pli là. Et avec tes orteils, tu vas avoir beaucoup de sensibilité pour ressentir ce qui se passe sur la moto et tu vas avoir plus de force. Ok. Là, t'as le repose-pied qui est trop au milieu du pied. Du coup, tu peux moins ouvrir le genou. Ouais. Et tu auras moins de feeling sur ton cale-pied parce que c'est vraiment sur la voûte plantaire. Et tu seras moins bien. Ouais. J'ai toujours du mal à élargir les virages là. C'est mieux. On mais... va regarder à la vidéo les trages, ça, c'est beaucoup mieux. Là, celui-là, des fois, j'arrive pas assez vite toujours. Ouais. Mais une fois sur deux, je vais bien. Ouais. Donc on va essayer d'améliorer ça. T'as repoussé les freinages, j'ai vu. C'était plus propre, il y avait plus de vitesse de passage. Tout ce qu'il faut. Dans ton rétro. On regarde, on regarde, on regarde, ça aide tellement. À ta limite.
t'es loupé non là-bas au, à la chicane. Ouais, parce que en fait je me suis rendu compte que bah, effectivement quand je lâche les freins, bah, la moto elle va plus vite dans les virages. Bah oui. Parce que je le tenais trop tard le frein. Et maintenant là quand tu fais exactement comme t'as dit, je freine, je lâche, ce qui est dur à faire, hein. Mentalement c'est dur, hein. Et je penche, ça va. Mais là-bas je sais pas pourquoi, à un moment je l'ai pas senti et j'ai freiné et ben forcément j'ai pas pu tourner quoi. Ouais. Après tu peux freiner un petit peu plus fort droit, hein. Ouais ouais. Ça c'est possible. J'essaie un petit peu plus à chaque tour sans trop... Ouais. Pendant quelques tours j'essaie de me concentrer sur les cônes. Et en fait c'est ça qui m'aide pour les trajectoires, ouais. Mais... Oh en fait c'était un handicap de pas regarder les cônes. Bon, le retour, quatrième session. Ça s'est super bien passé. Une petite frayeur avec un virage où je suis arrivé un peu trop vite et du coup j'ai freiné. Et le problème c'est quand tu freines tu peux pas tourner, donc j'ai fait pas un tout droit mais presque. Donc faire attention pour les prochaines fois. Mais les conseils que m'a donné Maxence, ça fait une différence de ouf. À chaque fois on a quelques conseils après chaque session de roulage à appliquer. Donc là pour vous donner un ordre d'idée, Guigui a pris des chronos. Et chaque fois que je vais faire une session, ça descend le chrono de fou. Je sais pas, t'as un ordre d'idée de combien ça descend? Parce que là, la dernière session, c'est descendu 3 secondes. À peu près 3 secondes à toutes les sessions. Donc c'est énorme. C'est-à-dire que là, en 4 sessions, on a fait tomber plus de 12 secondes. 1,34 à 1,17. Voilà. Non, 14. 1,34 à 1,14 pour le moment. Pour moi, c'est ouf. T'imagines en enduro faire ça, c'est dingue. Et là du coup, session terminée, on va revoir comme d'hab la vidéo juste ici sur l'ordinateur pour que je puisse me voir et me rendre compte que je suis pas fort. Mais avoir les conseils qui vont être importants, surtout ben voilà quand on fait un espèce de tout droit, c'est bien de savoir pourquoi et pas de pas le refaire. Donc on va regarder ça et écouter les conseils. Ouah, c'est là. Ok, analyse. Bah là je crois juste que t'as pas osé, hein. Mais c'est sûr que j'ai arrivé avec la bonne vitesse, mais je sais pas pourquoi j'ai dû avoir un manque de concentration. Ouais. Je pourrais pas te l'expliquer. Juste te dire gros, ça arrive plus vite, ça va pas passer. Alors que t'avais juste à lâcher ton frein, coucher la moto. J'ai pas l'impression d'avoir été beaucoup plus vite que les autres fois non plus, donc je sais pas. T'as freiné un petit peu plus tard. Et là, ouais, t'es quand même bien collé. Et je pense que tu t'es dit oula, je vais monter sur le vibreur là, peut-être à l'extérieur. Ah, peut-être bien, ouais. Et du coup t'as un peu paniqué. Ça t'a figé pendant peut-être une seconde et du coup tu t'es dit oh, je suis trop en retard et après c'est bien, t'as le bon réflexe de dire si ça passe pas, je force pas, tu vois. Mmh. Mais là franchement, comme t'étais, ça pouvait passer. Il faut que peut-être des fois je me fasse un peu plus confiance. Voilà, il faut que tu te fasses plus confiance et là de lâcher ton frein et la moto, tu vois, après on parle de vitesse de balancement, ça veut dire la vitesse entre le temps entre le moment où tu es droit et le moment où tu as ton angle maxi. Où là ça peut aller très très vite, de coucher la moto, ce qu'on appelle claquer la moto. Ça c'est quand tu veux faire des chronos, après tu dois passer par là, de vraiment claquer la moto sur l'angle, et là la moto elle tient. Là tu vois pour l'instant c'est gentil, mais c'est normal parce qu'au début il faut enrouler, le temps de tout appréhender, etc. Mais là dans cette situation précise, tu aurais pu lâcher le frein et coucher un petit peu plus rapidement la moto que d'habitude. Okay. Et ça serait passé. Tu vois, t'as le genou qui est sorti et t'as le haut du corps, là on peut tirer une droite. Par rapport au pneu, tu vois. Oui. Alors que normalement, là, tes épaules, elles sont censées être au-dessus de ton genou. Ouais. Enfin, ton épaule droite est censée être au-dessus de ton genou. Limite, ce serait mon épaule gauche qui devrait être. Voilà. Le trait arrive là, quoi. Exactement. Je suis à peine à la limite. Il faudrait que ton épaule gauche elle soit dans l'axe du pneu. Alors que là, tu vois, ta tête est dans l'axe du pneu. Ouais. Mais ça, c'est les réflexes tout-terrain, c'est normal. En tout-terrain, on est vachement dans l'axe de la moto. C'est vrai que c'est un coup à prendre. Non, mais carrément. Mais une fois que tu sens que ça accroche, ça va. Et tu vas voir après. Le truc compliqué c'est pour repasser de l'une à l'autre et d'arriver à être efficace tout de suite dès tes premiers tours de roue. Ouais. C'est chaud d'arriver à switcher de pilotage. Ouais, c'est un truc. Surtout après moi avec les vitesses inversées, vitesse normale, tu remontes sur la moto enduro, tu commences à attaquer et tout, mais c'est une habitude à prendre. Au début c'est chaud. Et après une fois que t'as l'habitude ça va, mais ouais c'est chaud des fois. C'est des problématiques que j'ai jamais pensé. Et dernière session, juste pour se faire plaisir, pas chercher de faire un chrono. Oh, c'est ouf de se dire que ça, je le prends à 130, 140. Là, il m'a dit je peux mettre plein gaz, donc c'est ce qu'on va faire. Hop, là pour le coup, j'arrive en 3. Ce virage là, c'est tout dans la confiance. Je
puis là pareil, c'est tout dans la confiance. Encore les lentilles qui... Waouh, là il y en a un qui s'est satellisé, faut faire gaffe, j'espère que ça va pas. Voilà pareil, waouh. Elle est tellement facile, Maxence. Et c'est ça qui est bon, c'est qu'en fait tu te rends compte de ce qu'il faut faire parce que tu le vois, il est en confiance. Le mec se retourne carrément pour me regarder. Et c'est là que tu te dis, ok, j'ai de la marge, ok là. Allez là, je pensais jamais pouvoir lâcher les freins. Quand j'ai commencé, voilà, je prends un peu de marge pour le freinage. Là on voit, il recoupe. Hop là! Allez, on passe les 200! On lâche les freins. En fait, c'est un truc de ouf. La technique qu'il m'a donné là. Rétrogradage, on fait confiance à la moto. Hop, wow, wow, wow. Ah, faut faire gaffe parce que là on commence à être fatigué en fin de journée. Je me suis pas senti dans la bonne position, j'ai perdu un peu le fil. C'est fou comment par contre là j'ai perdu confiance. Là je sens que je commence à fatiguer, je le vois sur mes freinages, ils sont trop appuyés. J'arrive pas à lâcher assez de lest et du coup je maintiens mon freinage dans les virages. Je dérange beaucoup moins. Regardez là, non ça va pas, il va falloir que je rentre. Ça va être un coup à se faire mal, sinon on va faire un dernier tour tranquillou. Un dernier tour tranquillou. Vous avez vu la dernière session, on a fait un petit débrief. Voilà, encore une fois, pris plein de choses. La leçon du jour, c'est que premièrement, il ne faut pas brûler les étapes. Deuxièmement, les conseils, avoir des bons conseils quand on commence ou n'importe quand, ça fait une différence de fou sur déjà comment on pilote et puis surtout aussi à quel point c'est sécuritaire. Voilà, franchement, j'aurais jamais pensé pouvoir faire des trucs comme ça et me sentir en sécurité et pas me repousser dans mes retranchements à être dans la panique tout le temps. Les conseils, clairement, et je vous dis pas ça parce que c'est un pote, parce que vraiment j'avais tellement peur de venir ici, très excité mais tellement peur. Et au final ça s'est très bien passé. Et si je devais donner un troisième enseignement, c'est que c'est le kiff. Et c'est quand même super physique. Là j'ai mes bras, ouch. Et j'ai mes jambes aussi. Il m'a dit normalement à la fin d'une journée tu dois avoir mal aux jambes. Et je peux vous dire que là je sens mes guiboles, là c'est sûr. En tout cas merci beaucoup à Maxence, parce que c'est lui qui m'a invité, c'est lui qui a organisé tout ça pour vous faire une vidéo et tout. Donc c'est grâce à des gens comme ça aussi qu'on peut faire du contenu intéressant. Le parallèle entre l'enduro ou le cross et la piste, il est dingue. Enfin voilà, c'est un truc que j'avais toujours voulu faire, tester de nouvelles disciplines. On va aussi tester bientôt le trial grâce à Beta, qui sont top aussi, ils font plein de choses pour qu'on ait des projets super intéressants. Donc merci à vous, merci à tout le monde, merci de soutenir, merci à des partenaires comme ça, que ce soit des copains comme Maxence qui sont à leur compte, qui lancent leur activité, il faut leur donner de la force. Donc si vous pouvez aller suivre, voilà, ce qu'il fait, vous renseigner, partager à vos potes qui seraient potentiellement intéressés, ça fait une différence de fou pour des gens qui sont motivés, qui veulent bien faire et qui ont bien sûr un savoir, une expertise dans des trucs comme ça, ça n'a pas de prix. Franchement pour moi ça n'a pas de prix, parce que là j'aurais pu aller faire une initiation
tout seul être invité par une marque, par un truc, un autre pote qui y connaît rien et me satelliser au bout du troisième tour parce que j'aurais rien compris. Et là je sais, j'ai les bases et on peut partir sur quelque chose de stable pour commencer. Bon bref, merci beaucoup encore une fois. On se retrouve très bientôt, merci à Maxence. Tout est dans description et puis on se retrouve bientôt. Allez, ciao.